Véritable garçon. Il n'y a pas l'homme dans ce monde qui va se tenir là, sur la base des écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Sur la base de la Bible, du Coran, des hadiths, des tafsirs, de la Sunna même, et qui va s'en sortir. Il dit, il n'y a pas cet homme-là. C'est-à-dire que quand on ne l'a plus de ce monde, c'est là qu'il va avoir cet homme. Mais pendant que Dieu permet qu'on soit en vie, il n'en aura jamais. Shalom, frère. C'est pas possible. C'est même en rêve, même. C'est clair. Alléluia. Alors avant de passer à la première personne, je reviens encore sur mon bon petit Abdul Majid. Abdul Majid de Kasogbia. C'est clair. Du Congo Brazzaville. C'est ça. Alors, je l'appelle maintenant. Parce que depuis mercredi surpassé, nous partons maintenant dans 3 semaines. Dès qu'il est arrivé, je lui ai dit bonne arrivée en débat. Bon. Il a regardé les vidéos, tous ces petits en réel vidéo. Ils lui ont fait le retour, lui-même il a vu, il est resté silencieux. Parce que je lui ai dit si tu viens en débat, je ne ferai pas 2 débats avec toi. Je ne ferai pas 3 débats avec toi. Ni un débat est tenu. Je ferai seulement un seul face à face avec toi. Un seul face à face, mais un face à face redoutable, un face à face kamikazial. S'il vient dans ce face à face, tous les enfants de Dieu dans l'islam seront délivrés, désintoxiqués et même désinfectés. Alléluia. Parce que je vais me chicoter du début jusqu'à la fin. Et lui-même, si l'enfant de Dieu, après le débat avec moi, c'est fini. Il va baisser les bras, il va quitter l'islam. S'il n'est pas enfant de Dieu, il restera là-bas pour aller en enfer et trouver son Mohamed là-bas. Abdul Majid, tu as toujours chanté et les musulmans ont chanté. Parce que c'est ce que lui, la Bible, que les musulmans prennent pour se masturber sur les réseaux sociaux pour vous étirer. Il dit que le consolateur dont a parlé notre Dieu, notre Seigneur Jésus, dans la Bible, serait Mohamed. Est-ce qu'il y a l'homme dans le monde qui peut venir me répéter ça devant moi? Est-ce que Abdul Majid peut se placer devant moi pour répéter cette parole? Ou cette phrase? Il ne pourra jamais jusqu'à ce qu'il meure. Alléluia! Vous savez devant qui vous allez dire ce genre de mensonges? Devant moi, il n'y a pas de musulman sur la terre qui va me dire consolateur, donc pas la vie, c'est Mohamed. C'est pas possible. Devant moi, aucun musulman ne peut même dire là que Allah est Dieu. C'est pas possible. Et puis, il va le dire, mais ça veut dire que c'est là chicoté. Et quand il va quitter ici, il va aller à la maison, il va dire, mais encore, je suis où? Il va dire, mais on est où là? Ça va qu'il sera bastonné de la plus grande bastonnade jamais connue. C'est ça. Allah, c'est le diable en personne. C'est ça. Voilà, voilà notre position. Comment même dire que Allah, c'est Satan? C'est vrai. Qui suis-je moi pour dire le contraire? Question. Quand on dit que Mohamed est un véritable prophète du diable, c'est ça. Que présentement Allah donne sa puissance, où il se trouve en affaire. Le Coran dit que tous les musulmans, un bon musulman qui meurt, il est un véritable produit fini de l'enfer. Ainsi dit le Coran. Le Coran dit que l'islam vient de Satan. C'est écrit. Et que l'islam, c'est la religion des démons. C'est ça, c'est écrit, frère. Je ne suis pas le Coran. C'est ça. Et Mohamed a dit que c'est Jésus qui va revenir juger toute l'humanité avec équité. C'est écrit, frère. Du coup, Mohamed reconnaît que c'est Jésus qui est tué. Amen. Avant qu'il ne rentre là. C'est ça. C'est bon? Ça peut aller? Vous êtes bien assis? C'est ça. Bien arrêté? C'est ça. Alors, s'il y a des gens qui sont venus faire le débat maintenant contester, vous êtes les bienvenus. Maintenant.